Alors ce qu'on a fait ce matin, on est parti dans la forêt vers chez Coralie. On a fait du qigong dans la forêt au milieu des chevaux. Ici, c'est un lieu juste magique. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'énergie. J'ai découvert le qigong et c'est juste génial pour se recentrer soi-même. C'est un contact avec la nature qu'on n'a pas forcément. Et j'ai beaucoup aimé, surtout quand les chevaux passaient au milieu de nous, j'ai trouvé ça sympa. On était en contact avec les animaux autour, la nature, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça cool. Dès le matin, c'est chouette parce qu'on se donne les chances de passer une bonne journée et d'avoir un travail à côté après avec les chevaux plus fluides et d'avoir des chevaux plus connectés. Je trouve que ouais, c'est une pratique, à mon avis, qu'il faut avoir peut-être au quotidien, si on peut. Parce que ouais, ça permet d'avoir d'être dans une bonne énergie, je trouve, après. On va démarrer avec le qigong parce que le qigong va nous amener vraiment à nettoyer les systèmes énergétiques, à se poser, à se calmer avant de monter, avant de faire quoi que ce soit. On va apprendre cette intériorisation là. Après, ça nous emmène vers le cheval. Et on va faire la même chose en compagnie du cheval en fait. Et les chevaux apprécient beaucoup en fait. C'est, en général, c'est le cheval qui nous amène du bien-être. Bah, là, on fait un petit peu les deux, c'est-à-dire que nous aussi, comme on sera bien positionné, on va pouvoir amener du bien-être à l'animal. C'était un vrai coup de cœur sur ce lieu. Il y a 20 hectares, une forêt, des prés, un vrai lieu de paradis. J'ai tout de suite eu cette envie de faire un petit parcours un peu initiatique dans cette forêt. Pour que les gens, on est encore toujours dans cette idée d'aller se reconnecter à soi-même. Ça, la balade en forêt de ce matin et la séance de qigong dehors, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'ai apprécié énormément. Et vraiment, prendre le temps de se retrouver, de regarder ce qui nous entoure. Et dans la forêt, oui, j'ai eu des ressentis, ça m'a renvoyé à mon enfance, à plein de choses auxquelles quotidiennement, comme on court partout, on ne prend plus du tout le temps de se rappeler.